Bonjour, bonjour, là où vous êtes. Et bonne nuit ici, là. Ici, c'est déjà le soir. C'est déjà même le matin. Puisqu'il est, il est minuit. Donc, il est déjà minuit ici, là. J'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, ça va plan, plan, au fur et à mesure, quoi. Voilà. J'essaie de me remettre. Avec le décalage horaire, c'est pas du tout facile quoi. Voilà. Et ça nous sort de partout. Voilà. On demande qu'on doit éduquer nos enfants au Cameroun. On doit préparer nos enfants. Il ne suffit pas seulement de former ton enfant à devenir grand. Mais il faut aussi le former à ce qu'il se comporte comme un grand. La liberté d'expression que vous voyez là, c'est interdit en public. Mais chacun peut tout dire dans son cœur. On ne peut pas interdire à ton cœur ses choix. On ne peut pas interdire à son cœur ses choix. Comment se fait-il qu'un professionnel, comme Onglan, ou c'est Onglan, ou c'est Omba, ou c'est quoi, Martin, qui joue en Italie, qui est professionnel comme lui, peut tenir ce genre de langage en public. C'est normal, c'est son choix. C'est le choix de leur famille. Mais on dit bien leur famille. La famille, c'est privé, c'est en catimini, c'est votre choix. Mais ce n'est pas en public. Donc, Martin Onglang doit être sanctionné avec la dernière énergie. Et ça ne doit pas passer comme ça sur la toile. Ça, c'est du tribalisme. En tant qu'employeur, non, il est une petite personne, mais il est employé par les Camerounais. Fais attention. Là, il n'est pas une petite personne, c'est déjà un professionnel. Il fait partie des 22 joueurs de l'équipe nationale. On ne doit pas tolérer. Il travaille pour l'équipe nationale. Il y a des erreurs qu'on ne tolère pas. Bonsoir à tout le monde. Bonjour et bonsoir. Non, on ne doit pas tolérer ce genre d'erreur-là. Quelle que soit la faute que quelqu'un commet aujourd'hui au Cameroun, il doit être sanctionné. On doit crier son nom, on doit crier sur lui. On doit crier son nom, on doit crier sur lui. On ne doit pas tolérer. Vraiment, quelqu'un comme ça là. Il dit que dans leur famille, on n'épouse pas les Bamileke. Tu connais ton vrai père? Tu n'es pas sûr si on t'a ramassé quelque part dans la rue? Est-ce que tu es sûr que ton père là, c'est ton père? Faisons beaucoup attention. Hein. Voilà pourquoi je dis bien que notre pays là, ça a reconstruit. Il y a urgence à tous les niveaux. On doit former les gens. Il ne suffit pas seulement de venir jouer à l'équipe nationale. Mais oui, il y a des gens qui ne méritent pas jouer à l'équipe nationale. Ça pour rien, on dit que pour jouer dans la NBA, il faut que tu aies un certain niveau. Mais oui, on te forme mentalement. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Pourquoi à nos jours d'aujourd'hui, vous voyez même les grands professionnels, les Messi, quand Messi parle là, il parle, il ferme sa bouche. Mon ami, tes lèvres là peuvent dire quelque chose qu'on n'a pas besoin d'entendre. Chacun a ses choix personnels. Mais tes choix là, si c'est public, ça peut offenser des gens. Et on ne doit pas tolérer ça. C'est quelqu'un qu'on doit crier sur lui. Et j'invite la diaspora. La société civile qui se trouve en diaspora, on doit écrire à son clope. Arrêtez ça. Que non, pourquoi vous venez de là? Non, on doit écrire à son clope. On doit écrire à son clope. Regardez le comportement de l'un de vos employés. Ça ne se passe pas comme ça. On doit écrire à son clope.
D'ailleurs, même d'ici quelques jours, je vais envoyer les enfants de Mbanga de la diaspora qui sont là-bas. On doit envoyer un courrier à son club. On va pas se passer comme ça, là. Attendez, mon ami, tu peux t'asseoir, quelque chose qui est public. Tu viens balancer là, dans notre famille, on n'épouse pas les Bamileke. Attendez, mais même si c'est votre choix, tu la gardes. La liberté d'expression, en réalité, on s'adresse à ton cœur. On demande aux gens d'être formés. Formez les gens. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Bah, c'est un peu de trop là. Là où il faut parler, vous ne parlez jamais. Regardez, voilà les poubelles qui jonchent tout le Cameroun. Voilà les poubelles qui jonchent partout le Cameroun. Un footballeur ne peut pas sortir pour faire une publication. Mais vous allez les voir dans les Congos, ça. Dans les Congos, ça. Les sales affaires. Les sales moqueries. Hein? Voilà une qui part en Côte d'Ivoire. Elle dit que non, le Cameroun a bien organisé la CAN. Le Cameroun a bien organisé la CAN. Pendant que celui qui est avec lui, avec elle, il est en train de dénoncer l'état de la pelouse de son pays. Elle montre les dents. Mais quand elle dit que. On avait, quand le gars dit qu'on avait peint le gazon chez vous, avec la peinture. Non, 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 non. Elle commence à rejeter. Allez vous former. Quand on veut devenir un personnage public, on se forme. Moi, actuellement, là, mon seul défaut, c'est l'alcool. Et quand je bois mes trois bières, je n'ai pas de problème. Voilà ce que je dois tuer en moi, l'alcool. Je ne bois pas beaucoup. Hein. Quand on dit l'alcool, là, c'est pas. Si je bois, je suis à l'aise, je danse, là, je n'ai pas de problème. Mais si je bois, je suis sur place. Je me contrôle pas. Je peux faire beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi parfois, là, peut-être je reste chez moi. Ou bien je refuse la bière. Voilà mon seul défaut actuellement, là. Chacun doit connaître ses défauts et connaître ses limites. Connaître que non, je ne suis plus n'importe qui. Vous dites qu'on laisse comme ça là. Vous savez ce que veut dire, mes amis, vous savez ce que veut dire un employé de l'équipe nationale? Vous savez ce qui veut dire être parmi les sélectionnés? Même si tu as joué dans l'équipe nationale, même une fois dans ta vie. Mais mon ami, ta parole fait foi. Ta parole fait foi. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Vous savez ce qui veut dire parmi les 30 millions de Camerounais? Tu fais partie des 22 qu'on a sélectionnés à jouer avec le vert ou jaune, mon frère. Tu sais ce que ça veut dire? Vous dites que non, il y a des gens qui. Non, non, mon ami. Ils portent le vert ou jaune. Ils portent le vert ou jaune. Et il y a des gens qui se comportent, on doit sanctionner. On a parlé de l'affaire de notre frère, Andro Nana. Mais attendez, qui était là? Personne n'a vu. Mais on ne voulait, on a senti qu'on veut sacrifier l'enfant. N'est pas tout le monde est monté au créneau. N'est pas on a crié, 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 crié. Vous croyez que si on se taisait là, mon ami, c'était là fini comme ça là. On avait déjà fini avec l'enfant là. Que dis donc, ne nous gêne même pas. Parce que là, actuellement là, Andro Nana est un caillou dans la chaussure des dirigeants de la FECAFOOT actuelle, surtout de l'équipe nationale. C'est un caillou dans la chaussure. Donc André Nana est comme là. Comme quelqu'un qu'on a recommandé. Mais oui. Puisque les gars qui dirigent la FECAFOOT actuellement ne s'entendent pas avec les autorités. Eux-mêmes qui ne sont pas aussi sains. Oui. Eux-mêmes qui ne sont pas sains. Et c'est ça la vie. La vie c'est comme ça. On met quelqu'un quelque part. Qu'on sait que vous ne vous entendez pas. Mais on vous recommande cette personne-là. N'est pas en 90, on a recommandé seulement Roger Mila. C'est la même chose. Donc, Andro Nana, actuellement, là, c'est quelqu'un qui doit regarder même son verre. Parce qu'en réalité, moi, je n'étais pas d'accord qu'il revienne. Mais comme c'est le pays, c'est bien. Mais il faut qu'il se méfie de son verre. Il faut qu'il se méfie de son verre. Parce que tout est possible. Hein? Parce que quand tu es là, titulaire, là, tu es gênant. Mais oui. Tu peux avoir joué à l'équipe nationale. Il faut qu'on forme les gens. Il suffit pas seulement de dire qu'il y a tel jour. Voilà. Mais il faut qu'on forme les gens. Même la nouvelle technologie. Comme disait un adage il y a cela quelques années. Que l'intellectuel, l'illettré d'aujourd'hui n'est pas celui qui n'est pas allé à l'école. C'est celui qui ne connaît pas utiliser l'outil informatique
C'est ça l'illettré. Avec le temps, ça nous donne raison. On n'écrit pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'on va décharger là. On va enregistrer, on va garder quelque part. On va balancer. Tu vas bagarrer, bagarrer, bagarrer. Tu vas effacer sur ta page. Mais c'est là quelque part. Nous sommes, il y a beaucoup là. Mais il y a aussi ceux maintenant qui utilisent l'outil informatique bêtement. Aucune classe. Aucune bonne manière. Je vois des gens, des soi-disant influenceurs. On est, c'est-à-dire que voilà celle-là. Ou bien elle est marabout, bien c'est quoi. Elle est là, elle est en train de clasher sa soeur camerounaise. Elle utilise tous les plus gros mots du monde. Les gens quand même sont là. Ils relaient l'information. Parce qu'ils ont les pages monétisées. Mais dis donc, il dit quand même. Le Cameroun va où là? La nouvelle génération va où? Mais Franco, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Petit Franco, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand on va te dire que tu es un rapace, que tu ne peux pas comprendre. Attendez. Vous n'avez pas de contenu. Mais voilà les vrais sujets. Voilà les poubelles partout. Sors avec ton arsenal, tes caméras. Tu pars, tu filmes, tu fais des vidéos sur ça. Qu'est-ce que c'est quoi de prendre les choses des gens rayés? Même voilà une femme qui est en train de régler ses comptes, on ne sait pas pourquoi, avec Aïcha Kamouas. Vous prenez, vous rayez. Mais attendez, vous n'avez plus rien à faire. Avec ça, on va évoluer comment? Voilà des problèmes. Hein? On a des cas partout. L'aéroport de Douala. Vous vous dites influenceur. Voilà des cas pareils. Qu'il faut vraiment parler de ça. Aller même à l'aéroport même. Voilà même là où il faut partir, vraiment voilà. Comment on dit que. Même, en ce moment, même s'il faut choco pour entrer là-bas, pour prendre une information, la source qui vient de toi. Tu prends l'image, maintenant tu viens, tu montes. À un certain moment de la vie là, arrêtons que les gens font des choses, nous prenons, nous relayons, même dans la bêtise. On ne mange pas tout dans la bêtise. Ça va enfreindre dans notre vie. Ça va impacter dans notre vie. Même spirituellement d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas à la jeunesse? C'est ça on dit blogueur. C'est ça on dit influenceur. Prendre les vidéos des autres. On est en train d'employer les gros mots. C'est les gros mots. Je n'étais même pas au courant. Mais quand on partage, toi aussi tu vois. Donc c'est les gros mots. Pourquoi hein, on est obligé de signaler les paroles qu'elle a parlé. Comme bon. Oh, enfant bas, ceci, cela, oh, ton père comme ça. Mais comment vous aidez quelqu'un à insulter l'autre? Mais comment? Même si c'est le père, même si c'est pour l'argent, mais quand même, c'est même quel pays ça même? Ça fait ça que les gens vont vivre? C'est quel genre d'argent qu'on cherche là? Bonsoir Isaura. Comment tu vas? Bonsoir, Awayalo. Bonsoir tout le monde. Non, mais notre pays est en train d'entrer au fond. Non. Donc, voilà actuellement, voilà les Ivoiriens. Demain, vous allez dire que non, on ne vous tend pas la main. On ne vous donne pas aussi la nourriture. Aujourd'hui, là, à nos jours d'aujourd'hui, les influenceurs ont pris le pouvoir dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, les influenceurs ont pris le pouvoir. Même aux États-Unis, même en Europe. Il y a ceux qui ont la place. On voit les influenceurs. Ils ont de l'audience. Quand tu parles, tu as 250 personnes devant toi. Tu as 500 personnes. Tu as 2000 personnes. Tu as 3000. Tu as 4000, 6000, 10000. Après la fin du direct, après quelques temps, tu as 100000 personnes. 100000 personnes ont vu ta vidéo. Mais mon gars, tu es une personne. Il faut avoir de l'éloquence. Mais attendez. À un moment de la vie, il faut prendre conscience. Demain, vous allez voir qu'on va vous jeter à côté parce que voilà les élections qui arrivent. C'est le temps pour chacun de se préparer et choisir son parti politique. Tu signes un contrat. Tu dois être chargé de communication du côté Facebook, des réseaux sociaux, de tel candidat. Ça a de l'argent. Ça donne de l'argent. C'est un métier, être blogueur. C'est comme un artiste. C'est un métier. C'est un métier. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous là? Préparons-nous aussi qu'on devient comme en Côte d'Ivoire. Pendant la campagne législative l'autre jour et les municipaux, vous n'avez pas vu
comment les blogueurs, hein, il y a même certains qui sont sortis de l'Europe pour venir faire la campagne, hein, des maires et des députés en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous, les Camerounais, on est dans la bêtise? Pourquoi on n'est pas prêt? Pourquoi on n'est pas prêt? Celui qui n'est pas conscient depuis 2018 ne peut rien comprendre. Nous sommes importants. Tu sais ce qu'il veut dire? Fais une vidéo, tu as 20 000 vues. Tu as 30 000 vues. Aujourd'hui, tout le monde est jaloux des influenceurs, des vrais, des activistes. Oui, parce qu'on a coupé un gros marché aux télévisions. À l'époque, pour faire ta chose, il fallait appeler la télé. C'est combien? 350 000, 400 000. Au moment des audiences. Aujourd'hui, tu es capable de fabriquer une histoire. Tu fais 4 000 personnes se connectent. Ou tu verses une publicité à terre. C'est parti, tu vends. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Pourquoi nous, on est tout dans la bêtise? On est dans la bêtise. Quelqu'un fait une vidéo contre quelqu'un. La personne a 1000 vues. Vous prenez, vous mettez chez vous. Dans ça, on ne tire rien. Demain, vous allez, quand on va vous dire que vous n'êtes pas des influenceurs, vous allez dire, non, pourquoi vous m'incitez influenceur? Mais tu n'es pas influenceur. Tu n'es pas influenceur. Où est ton contenu à toi? Ton contenu est où? Qu'est-ce que tu as créé? Non seulement tu publies la bêtise, non seulement tu impactes négativement sur les autres. Tu publies la bêtise de quelqu'un. Parce que pour moi, quelqu'un qui se met là, oh ton père est comme ça, oh, oh, mais attendez, mais on peut s'insulter, on peut se clasher. Mais que ça ne traverse pas les limites, ça va sur les enfants. Ça va sur les parents. Nous ne sommes pas dans un terrain politique. C'est sur un terrain politique que si ton fils commence à gesticuler, voilà, à blaguer avec la fortune publique, lui aussi va encaisser les balles perdues. S'il passe son temps à vociférer avec la fortune publique, à blaguer avec la fortune publique, lui aussi va encaisser les coups perdus. C'est normal que parfois on indexe Flambia. C'est normal que aujourd'hui on a arrêté le fils d'Ali Bongo. Son fils Nourouddine, c'est normal. Parce qu'il blague avec la fortune publique. On a trouvé des milliards dans sa maison. Mais dans un terrain de game de Facebook, quand même, on doit arrêter d'être grossier. Parce que même celui-là aujourd'hui qui insulte, ou celle qui insulte aujourd'hui, là, demain, elle va se regarder dans le miroir. Elle n'a pas de personne. Éduquons nos petits frères. On n'est pas obligé de publier chaque jour. On n'est pas obligé. C'est toujours l'argent qu'on cherche là. Mais oui, mais attendez, mais quand même, ma page est monétisée depuis peut-être une semaine. Mais avant ça, je ne vivais pas. Mais fais comme ça que avant ça, tu ne vivais pas. Tu ne vivais pas. Quand Dieu ferme là-bas, il ouvre ici. La vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez même quel problème, hein? Engagez-vous dans les vraies choses. On ne vous demande pas tout le monde. On ne demande pas tout le monde de dénoncer, de parler de politique. Ça dépend de chacun. Mais évitez de relayer quand même les bêtises. Apprenons quand même un moment de la vie à être important. Soyons importants. Hein? Soyons importants. C'est même quel pays ça même en fait. On va où là? Il y a des pays où tu relais une information pareille là. On te fait ça dur. Vous croyez que nous qui dénonçons la malgouvernance là, on n'a pas des amis dans le gouvernement? Vous croyez ça? Vous croyez qu'on n'a pas des amis aussi dans le gouvernement? D'abord, tout mon quartier est plein que des fonctionnaires. Mes voisins, tous mes voisins sont des fonctionnaires. On n'a aucun problème. Moi, je suis dans le forum. Je suis dans le forum du quartier. Je suis dans le forum de Koto Bonamou Sadi. Je suis dans le forum. Et tous mes voisins sont les fonctionnaires. Qui vous a dit que parce que je critique le gouvernement que j'ai un problème avec quelqu'un? Ou il y avait tout le monde? J'ai pas le problème avec tout le monde. Non. Nous sommes dans un jeu politique. Et puis on doit se respecter. Quand même. Arrêtons ça quand même. Arrêtons ça. C'est moche à voir. C'est moche à voir, franchement. Ça fait bizarre même. Ça fait même honte. Ça salit l'image de notre pays. Ça salit. Même les Ivoiriens ont vu ce que ça a apporté. Mais ils ont vu ce que ça a créé. Mais ils ont arrêté de faire ce genre de clash. Ils ont arrêté. Un moment en Côte d'Ivoire, c'était grave. C'était grave. Mais ils ont compris ce que ça a apporté. Quand on insultait déjà les enfants, on traite l'enfant de quelqu'un de bâtard. Tout ça. Mais c'est quoi? Vous rirez. On traite l'enfant de quelqu'un de bâtard. Vous relayez.
insulte la personne qu'on insulte. On insulte la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un. Vous relayez. On dit que quelqu'un couche avec toi. Vous relayez. Mais c'est quoi? C'est quoi la même? Tout ça parce qu'on veut l'argent. Moi, je vais créer une association au Cameroun. Je pense que quand je vais rentrer au Cameroun, je vais mettre un truc sur pied. C'est-à-dire qu'on va sanctionner tout blogueur influenceur qui se comporte mal. Donc quand ça s'amuse, on colle une plainte contre lui. Terminé. Voilà, arrêtez de choisir la facilité. Les débats faciles. Mais vous faites que vous faites du bien, mais vous créez des rancunes. Parce que quiconque partage là où on m'insulte, m'a insulté aussi. Il faut que vous sachiez ça. Peut-être Aïcha s'en glisse, peut-être ça glisse sur elle. Je ne dis pas qu'elle même elle est facile. Je ne dis pas qu'elle est facile. Hein. Mais je dis bien ceci. Quiconque prend les insultes de l'autre pour mettre sur sa page, soit disant que c'est le game, non, participe à la destruction de l'autre. C'est pas normal. On ne vit pas ça. Arrêtons la facilité. C'est pas avec ça qu'on va construire notre pays. Nous sommes là avec un papa qui est au pouvoir. Bientôt, à tout temps, on peut nous dire que le Cameroun, ça ne va pas. Mais on doit être prêt. On doit être prêt. C'est le temps que nous, la jeunesse camerounaise, parce que les papas là sont déjà partants. Eux, ils connaissent, ils jouent leur dernier moment. Et ils sont déjà partis. Concentrons-nous pour l'avenir de notre pays. Sinon, quelqu'un d'autre va venir prendre là. Mettons les yeux. Faites attention. Même le président Maurice Kamto, qui est quelqu'un que je respecte, qui est mon idole, qui est mon maître politique pour prendre le pouvoir demain là. Comme il sent que nous sommes des personnes négligentes, lui aussi, il faut aussi autrement. Hein. Faites attention. C'est quand les yeux sont focalisés sur toi comme ça là, tu comprends que non, je n'ai pas droit à l'erreur ici. Faut faire attention. Parce que nous sommes là, on fait des choses, les gens nous suivent, on comprend. Là, ils sont contents. Quand nous sommes dans la distraction, quand nous sommes dans les fausses choses, parce qu'on veut un peu d'argent. Qui vous a dit que en parlant des bonnes choses, tu ne peux pas être suivi, mais tu seras respecté. Moi, je fais souvent les vidéos ici là. Je me rends compte que j'ai 20 000 vues, j'ai 50 000 vues. Mais dans mon interaction, j'ai touché 200 000 personnes. Il y a des gens qui n'entrent pas, qui ne regardent pas la fenêtre. Ils croient peut-être qu'ils ne te suivent pas, mais tu me suis, mon frère. Ça marque que tu m'as suivi. Que tu sois dans la fenêtre, que tu sois là entre mes regards, tu m'as vu. Tu m'as vu. Ça pointe, c'est l'ordinateur. C'est la machine. Ça pointe que tu m'as vu, ça ne manque pas. Tout parce qu'on veut les vues là. Non, arrêtons ça quand même. Notre pays va mal. Notre pays, ça. C'est comme ça, si on s'amuse, je vous dis que quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir là. Et il va nous faire ça dur encore. Parce que nous sommes tous dans la distraction, dans la bêtise. Dans la bêtise. Depuis un certain moment, la diaspora était la diaspora positive. Mais depuis un certain moment, je me rends compte que non. La leçon, depuis un certain moment, vient de la diaspora. Je ne sais pas si c'est négatif. Moi, je ne comprends pas. Tu vois même les gens qui travaillent tenir certains discours. Attendez, mais je ne comprends pas. Tu es dans ton lieu de service, tu tiens certains discours. Attendez. Comment? Moi, j'ai enlevé mon enfant dans une école parce que je me suis rendu compte que il y a une dame qui se comportait mal là-bas. J'ai pris mes trois enfants. Ils étaient trois dans une école. Le fondateur est venu me rencontrer. Il m'a dit, Monsieur Waman, je vous connais. C'est qu'ici, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Je ne sais pas comment ils ont fait. Jusqu'à un jour, ils ont attrapé mon fils quelque part, posé la question à mon fils. Ton père vous a enlevé là-bas, pourquoi? Non, il y a maman telle, l'enseignante là, elle faisait comme ça, elle disait comme ça. Comme ça, elle a perdu son travail. Elle était enseignante en même temps directrice. Mais oui, comment? Vous travaillez dans certains espaces publics. Mais comment vous voulez vous mélanger avec la racaille? Si moi, je sais que celui-là est de la racaille, celui-là n'a rien à perdre, mais quand même, je respecte ma posture. Je respecte ma posture. Respecte au moins le milieu où tu travailles. Quand même. Il y a le terrain politique. Venez dans le terrain politique, non? Pourquoi vous fuyez toujours? Vous êtes là avec les civils. Nous sommes là dans un pays où on pille depuis plus de 60 ans. Ça ne vous dérange pas? Mais attendez, mais c'est même quel pays ça même, non? Dis donc. Mais quel pays ça même? Hein? Même
les femmes aussi qu'on compte sur elles, elles sont maintenant dans les clashs. Mais attendez, le Cameroun, ça va pas. Oh, c'est fini. Le Cameroun, c'est fini. Je vois mes soeurs comment elles tiennent certains langages. Il dit que c'est la femme des gens ici là. Ah, non, 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 non. Faites attention. Hein. Un peuple peut aussi se développer avec des femmes qui sont impulsives. Hein. Faites attention. On peut gagner tous les combats du monde. Mais si on n'a pas les femmes respectueuses, soumises, les femmes qui sont tous les vats en guerre, on aura la peine à se développer. Hein. Faites attention. Parce que là, ce n'est plus les femmes que je vois là. Tu sens que c'est des femmes que peut-être... Attendez, mais est-ce que l'homme va supporter déjà les femmes là-même? Elles sont là. Les femmes qui ont tout pour faire le direct, s'il n'y a pas le champagne, elles ne font pas. Mais attendez, mais c'est quoi? Avec ça, vous dites que non, je n'ai pas la chance de me marier, comment? Mais quand même, même le copain, vous ne pouvez pas avoir. Même le copain, vous n'aurez pas. Parce que vous faites peur sur la toile. Mais soyez quand même sublime. Soyez séduisant. Comment une femme qui doit être douce, une femme qui a le vagin, le corps de la femme, c'est l'espace où l'homme se sent au paradis. Comment tu peux tenir ce genre de langage là? Les langages grossiers. Les langages qui font peur à un homme. Moi, je ne peux pas monter sur une femme qui fait comme ça. Non, non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Parce qu'une femme qui fait certaines choses est fragile. Une femme qui se comporte mal est fragile. Les femmes en public là qui se comportent mal, c'est des femmes frustrées. Elles sont fragiles. Et les hommes qui partagent, qui relaient n'importe quel genre d'information, sont des personnes qui peuvent donner les derrière. Peuvent donner les derrière. Au nom du bonheur, au nom du succès. Au succès pour un temps, après pour pourrir. Pour pourrir. Tu prends les vidéos des femmes qui s'insultent. Tu mets sur ta page. C'est quoi ça? Et tu es un homme. Demain, quand on va dire que toi aussi tu es un influenceur, tu vas dire que non, tu n'es pas un influenceur. Tu n'es pas un influenceur. Le Cameroun a trop de problèmes. À tous les niveaux, il y a urgence dans notre pays. Le Cameroun a tous les problèmes. Comportez-vous bien. On va vous appeler. Moi, j'avais décidé que non. S'il y a un petit sur la toile qui fait telle chose, on pouvait s'entendre de manière que non. Maintenant, si là, l'influenceur, le blogueur, hein, peut-être qu'il a un don, un talent, il connaît bien parler, il connaît bien filmer, on l'invite, c'est lui qui vient couvrir ton événement. On s'entend entre nous. On fait les choses entre nous. Mais tout le monde est entré dans la saleté. Mais chacun a peur d'inviter tout le monde maintenant, même chez lui. Même chez lui. Parce que chacun est chacun court après le succès à tout prix. L'argent à tout prix. Ça veut dire que tu vas inviter quelqu'un qui est sur la toile, qui balance n'importe quoi, alors qu'il te dit qu'il est un photographe. Il est un photographe professionnel. Mais attendez, tu balances n'importe quoi. Ça veut dire que je vais t'inviter un jour chez moi. Tu vas garder les images que tu vas retourner contre moi un jour. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Relayer les sottises de quelqu'un veut dire que toi-même, tu es un niéman même. Tu es un bootman. C'est quoi avec vous? Quelle éducation vous voulez impacter sur nos enfants? Que vous voulez transférer à nos enfants? C'est quoi? Vous n'éduquez personne. N'éduquez personne. Mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, Baolang, c'est Banglong, c'est Banglong, c'est Banglong. Martin Honglang, là. Martin Honglang doit être sanctionné. Donc, j'ai invité les associations des Camerounais qui se trouvent en Italie, là. Qui sont en Italie, là. Vous devez envoyer une lettre. Une lettre. Vous devez faire parcourir un courrier au club de Baolang, de Honglang, là. Non, c'est clair. C'est clair. On ne doit pas tolérer ça. On ne doit pas tolérer ça. Tu peux être un employé de l'équipe nationale. Tu es parmi les 22 joueurs de l'équipe nationale. Tu tiens déjà le langage là. Même en privé, il y a des gens à qui on n'envoie même pas ses voix. Quand on est déjà une personne. Quand on est déjà un personnage. Quand parmi les enfants du pays, tu es l'élu. Tu parles, les gens t'écoutent. Tu ne dis plus n'importe quoi. Nous tous. Notre cœur peut être tribaliste, mais notre bouche ne doit pas être tribaliste. Nous tous, on a des choix. Mais, la déontologie de la vie, la nature nous demande qu'on garde ça pour notre cœur. On garde ça en privé, dans la famille.
Et dès lors déjà que l'une de tes sœurs a déjà fait un enfant avec une autre tribu, que ce n'est pas votre choix dans votre famille, tu te dois obligation de déjà de changer ta parole. Sinon, demain là, tu auras affaire à ton neveu, à ta nièce. Et fais attention. Plus tu détestes quelqu'un, plus le succès rôde autour de cette personne-là. Et cette personne-là va vous faire honte demain. Et si cette personne n'est pas forte spirituellement, cette personne va venir en forme de vengeance. Vous m'avez détesté hier parce que dans votre famille, vous n'aimez pas telle tribu. Je viens de cette tribu. Je suis la lumière. Il va vous faire ça dur. Il faut faire attention. Je connais des familles où il y a une famille. Chez eux, ils disaient qu'ils n'aiment pas les Bassa. Je connais une famille qui disait qu'ils n'aiment pas les Bassa. Leur grande soeur a fait l'enfant avec un Bassa. Ils ne sont rien. Sauf l'enfant. Donc, à cause de leur comportement là, le gars Bassa est parti. Je vous dis qu'aujourd'hui là, sans leur neveu là, leur petit-fils là, qui est magistrat, qui est Bassa, au nom de Dieu, ce que la famille là voit le mami piment. Une famille de misérables, vous choisissez. Même des familles nobles, même les plus riches du monde ne tiennent pas certains langages en public. Ils observent, ils regardent. Parce qu'ils ont peur aussi de Dieu. Parce que Dieu ne nous offre pas toujours ce que nous désirons dans notre vie. À 80%, Dieu ne te donnera jamais ce que tu désires. Mais oui. Je me souviens. C'est la même chose au lycée, non? Il y a eu un débat au lycée de Mbanga. On disait que qui a insulté les Bamileke? Oh! Je vous dis même que ma manga était dedans, les histoires d'enfance. Là. Ma femme était dedans. Je vous parle, je témoigne un vrai témoignage. Ma femme était dedans parmi les gens qu'on a dit que. Qui a dit que si tu es Bami, Il y a une fille qui a dit à ma femme que tu l'as épousé un Bamileke. Il y a une fille qui a dit à ma femme que toi là, tu vas épouser un Bamileke. Et elle a épousé un Bamileke. Vous voyez la vie? Laissez les petites choses là. Le Cameroun est trop mélangé. Arrêtez la sorcellerie. Donc ce Honglang là, ouais, c'est Honglang, c'est qui là? Il doit être sanctionné avec la dernière énergie. Voilà. Tout dans la distraction. Regardez les jeunes petits frères. Vous êtes là, vous faites vos contenus sur Facebook. Vous êtes là, vous tournez, vous faites des petites séries de films. Vous vous battez. Au lieu de rêver loin, vous êtes tous focalisés sur canal d'or. Vous ne regardez même pas le cursus même du patron même de canal 2. Apprenez seulement à regarder les gens. Vous croyez que c'est le mérite? Il n'y a pas de mérite dans votre pays. Peut-être ce n'est que la chance. Le reste c'est là, bats-toi, regarde loin. Joue, tourne les films de manière qu'un jour on t'interpelle au Nigeria. Tourne de manière qu'un jour la chance sonne à ta porte. Toi aussi on t'invite au Nigeria, aller tourner une série là-bas. Là où c'est bien organisé. On t'invite même au Ghana. On t'invite même à Hollywood. Faut rêver. Vos rêves sont là limités à Canal 2. Donc ça dit, c'est le problème donc c'est le plastique qu'on a mis, le plaquet sur ça là, c'est ça qui vous intéresse. Le bois qu'on a sculpté là, c'est ça qui vous intéresse. Mais quel même, c'est même que jeunesse ça même. Les maudits comme ça là. Vous voyez les gens qui pleurent même. Donc, c'est-à-dire, les problèmes du Cameroun ne vous intéressent pas. Les problèmes du Cameroun ne vous intéressent pas. Ça vous intéresse pas. Canal 2. Les histoires que petit pays n'a jamais acceptées. On l'a envoyé. Il a pris. Il a jeté derrière. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé ça. Il est resté chez lui. Il a été nominé, il n'était pas au courant. Il a gagné le prix, il n'était pas au courant. Il n'est même pas parti chercher. On est parti donner. Il a mis ça à la cuisine. Valorisez-vous. Donnez-vous de la valeur. On va connaître votre place. Qui vous a dit que parce que Mbanga diaspora critique, qui n'a pas sa place? Quand ces gens me voient au Cameroun, bonjour Mbanga diaspora, petit frère, oh, vraiment j'aime tes publications. Vraiment, oui, c'est comme ça. Je te vois, ne te gêne pas.
Donnez-vous de la valeur, petit frère. Jouez bien les rôles. C'est-à-dire, votre comportement démontre tout simplement que non, vous êtes prêt à tout. On ne t'a pas nominé et puis quoi? C'est la fin du monde. On va nominer tout le monde. On va nominer tout le monde. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'est Canal 2 qui va définir ta carrière. C'est Canal 2 qui va définir ta carrière. Donc, tu n'as pas d'ambition. Dans un pays qui n'a même pas de plateau de cinématographique, il n'y a pas de plateau. Il n'y a pas de plateau cinématographique au Cameroun. Il n'y a rien. Il y a des gens comme ça là. Au lieu de rêver. Rêver. Inscrivez-vous. Allez, si tu veux faire dans quelque chose, va t'inscrire, va te former. Va te former toi-même en ligne. Un jour, Dieu peut toquer à ta porte. On t'invite que viens continuer tes écoles, tes études ici là. Maintenant, tu deviens un vrai acteur. On t'amène dans les complexes. Tu vois comment on te montre toute une ville. On dit que c'est ici là qu'on tourne les films. J'ai oublié le nom de ça. Comment on appelle ça là où on tourne les films là? Les Hollywood là. On t'amène dans les grandes salles là où on tourne les films. Vous n'avez rien au Cameroun. Un jeune gars doit rêver. Soit je m'engage pour le changement de mon pays. Soit je pense que je dois partir pour prendre l'élan là-bas. Parce qu'il n'y a rien dans ce pays-là. Voilà quelqu'un lui-même qui a mouillé le maillot pour qu'on le nomme sénateur. Vous croyez que c'est vous là? Vous croyez qu'il va choisir la méritocratie? Il va choisir la méritocratie comment? Lui-même là, pendant les années, les journalistes chez lui ne sont pas libres, ne font pas le bon boulot. Vous croyez que c'est vous là qui va accepter que toi gagne, toi ne gagne pas? Vous voyez comment on a nommé quelqu'un sénateur, il a dansé comme un petit bébé. Il a dansé comme un enfant, il voulait me ramper. Moto de go. Tout un directeur de chaîne de télévision. Dans les vrais pays, un directeur de chaîne de télévision n'a pas besoin d'être sénateur. Ce sont eux qui font le pays. Un directeur de télévision n'a pas besoin d'être sénateur. Ce sont eux qui font les sénateurs. Il y a un député là, le député que Cyril Aouna avait clashé là. Le député là n'est pas, il était présentateur sur le plateau de Cyril Aouna. Aouna. Il était présentateur sur le plateau de Cyril Aouna. Oh, il est devenu député. Attendez, est-ce qu'un chien patron de chaîne de télévision a besoin d'être député? Ils font les députés. Ils déconstruisent les députés. Les patrons de publication, les patrons de journal, merde, la presse, hein? Les patrons de presse, mais regardez-moi les gens comme ça là. Vous pleurez. Vous ne regardez même pas le cursus de quelqu'un. Dans votre pays, il n'y a pas de méritocratie. Et n'en vis pas la vie de quelqu'un dans ce pays. Tout jeune que tu vois là, à la base, 95% sont cooptés. Et ils préparent tout. Dernièrement, lors l'écoulement de terrain là, derrière Guinness là-bas, Guinness Ndorbonne, tu parles là-bas, ils ont positionné les jeunes gars, les jeunes enfants, les jeunes gars. Tu vois un gars, tu crois qu'il est naïf. Tu arrives, Mbanga Diaspora, vraiment c'est nous le comité de gestion des victimes, voilà. Vraiment, il y a un forum qu'on a créé. Ils sont très rapides. Voilà un petit, tu le vois. Attendez, mais il te dit qu'il est député junior. Ah, ça a commencé. On cause. Mais il prend mon numéro, il met sur WhatsApp. Quand il met le numéro WhatsApp, tu connais qui il a mis comme photo? Koutes Kecha. Donc ils ont fait le WhatsApp. Ils sont le comité de gestion des victimes. Hein? De l'écoulement de terrain de Ndorbonne. Donc voilà comme ça là que. Donc ils sont partout, on les copte.
tu vas voir un jeune là, tu vas voir, il est, son derrière est déjà foutu. Sa vie est déjà gâtée. Il est prêt à sacrifier sa mère. Parce qu'il veut réussir. Travailler. Tu travailles bien, on va te copter. Tu travailles bien, on va te copter. Regardez, regardez bien. Regardez bien l'avocat ici là. Ndjeou. N'est-ce pas, il a eu un truc, il a eu un contrat pour le Canada pour aller travailler là-bas. Hein, l'avocat Ndjeou, c'est maître Ndjeou. Qui vous a dit que parce qu'on est dans l'opposition, parce qu'on travaille bien, hein, qu'on ne peut pas réussir? Mes jeunes frères, faites attention. Allez dans les tribunaux de Douala, Yaoundé. Allez voir les avocats du RDPC qui parlent le français chaque jour là. Allez voir les voitures. Allez voir leurs maisons. Les avocats du RDPC qui parlent chaque jour là. Même les porte-parole du RDPC. Allez voir leurs voitures. Allez voir leurs maisons. Ils souffrent. Allez voir les avocats de l'opposition. Mais dis donc. Au départ, je croyais que c'était le contraire. Mais mon ami, le chemin de la vérité ne déçoit jamais. Les gars du MS que tu vois là, mon ami, les gars sont avocats, ils ne sont pas avocats des personnes. Hein. Ils sont avocats conseil des entreprises, des sociétés qui sont installées au Cameroun. C'est les gars qui ont les vrais dossiers, les dossiers d'argent. Quand tu vois seulement la voiture des gars là, tu donnes café. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. C'est les gars qui sont lourds, la magie. Les avocats que tu vois du MS qui parlent là, c'est parce qu'ils ont l'amour pour le pays. Je vous parle parce que je les côtoie. Au nom de Dieu, moi je connais, je croyais que c'était un game, man. Au nom de Dieu, ne tente pas les gars là. Les maîtres signes que tu vois là, il y a un là du SDF. Mon ami, c'est les gars qui sont avocats des organisations. Que tu ne peux pas croire. Il y a l'autre ici là qui est parti l'autre jour pour au TAS, le jumeau celui-là, celui qui a son frère en main là. Maître Ndiou, mon élément là. Mais attendez, mais c'est les gars qui ont l'argent. C'est les gars qui ont l'argent. Pour vous, vous croyez que non, comme ils sont de l'opposition, ils souffrent seulement. Ah non, faites attention, détrompez-vous. C'est pas parce que Mbanga Diaspora critique le gouvernement qui souffre. Ma vie est mieux, mon frère. Ma vie est mieux. Je préfère être du bon côté. Être bien là. Que d'être du mauvais côté. Que d'être du côté où on opprime les gens. Ou être du côté de l'oppresseur. Parce que automatiquement, quand tu es du côté du mensonge, quel que soit ce que tu gagnes, mon frère, tu as des restrictions dans ta vie. Et ces restrictions, toi-même, tu te demandes que, mais ça sort d'où? Mais c'est spirituel. Parce que Dieu ne peut pas tout te donner. Tu fais ce qui est bien, les hommes te ferment. Automatiquement, Dieu t'ouvre les espaces ailleurs. C'est normal. C'est normal. Dieu sait équilibrer le monde. Voilà la fille de l'autre. Voilà la fille de Monsieur Bianon. Qui dit qu'elle n'a pas la chance avec les hommes. Comment elle n'a pas la chance avec les hommes? Question posée. Toi, nous sommes à Rwanda. Regarde comment toi, à quel âge on t'a épousé. Tu as fait 4 enfants. On t'a abandonné à 38 ans. On est venu t'épouser. Tu as ton troisième mariage. Tu as fait 6 enfants avec 4 pères. Mais on t'a épousé. Mais voilà une fille qui n'a pas d'enfant. Elle n'est pas belle. Elle a un bon corps, non? Elle est bien. Mais là, voilà, elle te dit qu'elle a le problème de mariage. Elle a le problème des hommes, même pas le mariage. Elle a le problème des hommes. Elle n'a pas la chance au mariage. Soyez du bon côté. Quelqu'un va dire là que non, on est... non, c'est le karma. Les enfants et les petits-enfants paieront pour le crime de leurs parents. C'est comme ça. Bah, tu payes le crime, tu fais du mal aux enfants des autres pour que tes enfants vivent bien. Et tu penses qu'il va payer. Dieu va te montrer qu'il est le maître de la terre. Il est le père de l'univers. Il est le maître des maîtres. Ça veut dire que devant toi, là, il va rendre tes enfants nuls. Tu es malade. Il va rendre des enfants nuls devant toi. Vous croyez que c'est vous êtes malade dans votre tête là. Que non, on n'est pas les enfants dans ça. Ah bon, hein? Il te confie le destin d'un peuple. Tu détournes tout ça pour ta gloire toi seul. Et tu souhaites que tes enfants réussissent. Quand tu détruis les enfants des autres.
Ah bon, tu es malade dans ta tête. Et que non, Banga diaspora, il ne faut pas faire ça. Ah, c'est spirituel. C'est même ancestral. Ting-ting. Donc quand je parle aux petits frères ici, là, ils sont là, tout et tout. Nanani, nanana, Kowo. Canal, le canal d'or, je n'ai pas eu le canal d'or, petit frère, ça ne vaut rien. Voilà. La dernière fois, quand je suis parti remettre les dons là-bas, j'ai rencontré un journaliste là. Un Banga diaspora, vraiment comme je suis dans la ville, est-ce qu'il peut couvrir l'événement là, comme tu donnes les cahiers là? Il lui dit merci. Merci. Voilà. Non, tu sais que avec la chaîne de télévision, ça fait ça plus crédible. Je dis merci. Oh. Donc ça va la chaîne de télévision que j'ai connu le Désiré Dimon pour qu'elle cotise. Ou bien les Dines, ou bien les Vicky, ou bien les Awayalo, ou bien les autres, j'en passe. Est-ce que c'est avec la télévision que moi je les ai connus? Moi je les ai connus ici. Sur Facebook. Ils ont vu ce que je fais. Quand tu fais quelque chose de bien, de près ou de loin, tu vas impacter sur les gens. Et Dieu va t'envoyer les anges qui vont t'accompagner. C'est clair. Arrêtez d'emmerder les gens avec Canal d'or. Vous êtes trop jeunes. Dans un pays comme ça, là où c'est les sectes qui ont pu tout. Hein? C'est des loges, un faux pays comme ça, là, où c'est la vice. Il y a même le pays où c'est les sectes. On respecte les sectes là-bas. Hein? Tu es brave, oui, on t'accepte. Mais un pays comme ça, là, on fait la promotion de la médiocrité. La médiocrité. Tu as le talent, on te broye. On dit donne ton derrière. Là, le petit Achal dit que Canada. Va aller vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Va le petit Achal. Mais pas c'est quand il est mort qu'on a su. Pendant ce temps, il avait à côté, il avait son deuxième, le numéro 2 là. J'ai oublié son nom. Le gars anglophone là, qui chante bien comme ça là. Mais aujourd'hui, il est vivant, non? Il est vivant, non? Le numéro 2 là, le gars anglophone qui chante bien là. J'ai oublié son nom là. Il chante très bien comme ça là. Le numéro 2 de Canal de Achal à l'époque était sorti. Achal était sorti numéro 1. Maintenant, l'autre est sorti numéro 2. Le numéro 2, là, n'est-ce pas, il est vivant. Il est vivant, non? Mais il faut participer. Est-ce que tu as besoin? Va participer seulement, monsieur Vision. Est-ce qu'on a besoin de parler? Tu vois, c'est épinglé là-bas. Voilà, il y a le numéro Orange Money, il y a le numéro MTN Money. Moi, je suis en Indonésie pour mon traitement. Je suis venu me traiter ici, là. Donc, je demande à tout le monde de participer. Voilà, vous êtes tout dans... Non, ce n'était pas Salatier. Oh, c'est pas Salatier. Salatier, c'est yé. Il y avait Achalé. Il y avait le numéro 2 qui est un anglophone là. Il est à Yaoundé. Il vit plus à Yaoundé. Il chante très bien comme ça là. Tout le monde avait su qu'il devait gagner. Mais comme Achalé tournait ses fesses, il chantait, il dansait. Nous, on connaissait quoi? Non, c'est pas Stan Leno. C'est pas... Non, les Stan Leno, c'est les yé, non? Oh. Voilà. Non, pas Chan lui-même là, comme ça, il fait comme ça là. Il y a l'autre là, tout qui monte ses lèvres dehors comme ça. Il fait comme ça avant, sa bouche était pleine, mais c'est de quoi, oh. Les petits, tu vois, tu as le talent, mais tu as tout un comportement. Ils veulent être plus star que les stars. Mais c'est même quoi avec vous-même là, même. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Je suis ici pour mon traitement. Voilà, Sydney. Voilà, Sydney. Voilà, c'est Sydney. Merci à toi. Non, George Nanchou. C'est Sydney, Nanchou. C'est Sydney. Voilà, c'est Sydney. Non, c'est le loco, c'est le yéyé. On l'appelle Sydney. Il chante très bien. Vous avez vu, non? Voilà un gars qu'on a mis de côté comme ça là. Ça m'a affecté sa vie. Je suis sûr que ça a affecté sa vie. Le gars là. Parce qu'il avait trop le talent. Le fait que, alors que quand tu t'attardes sur les conneries comme ça là, les bacanales d'or là, on s'en fout de ça. Moi j'ai dit à mon enfant, d'abord je forge mes enfants. Et vous avez votre père, vous avez votre mère. Priez le Seigneur que je vive pour longtemps. Ok? Je suis votre coach.
Tant que je suis vivant, rien ne doit vous déranger. Laissez ça. Quand il dit, je parle des problèmes d'argent, mais pas les problèmes d'idées là. La vie, chaque chose a son temps. Ne courez pas. Priez le Seigneur que je vive pour longtemps. Parce que c'est attendre qui est difficile. C'est attendre qui est difficile. C'est le fait d'attendre là qui détruit les enfants. Attends ton tour. Attends ton tour. Quand tu as le talent, quand tu as le talent, ton tour va arriver. Même celui qui a souvent l'habitude de magouiller là, il va arriver un jour. Il va prendre, il aura sommeil. Il va aller signer que oui, tu es passé. Mais tu seras là passé. Là, Dieu va te rendre invisible. Dieu va te rendre invisible. J'ai vu une vidéo d'un Depso là qui est en Bengala qui dénonce souvent les gens. À l'époque, il y a cela peut-être 5 ans, il avait dit à Alim Bongo que Alim Bongo, il faut enlever tel. Il a appelé le nom du type qui a renversé Alim Bongo l'autre jour là. Même si c'est arrangé, c'est lui qui est au pouvoir. Que le général là, il faut l'enlever. Il y a cela 5 ans. Que voici les noms qu'il faut enlever autour de toi. Ils ne sont pas bien hauts. Il faut les enlever. Hauts. Vous voyez, non? Donc c'est pour dire quoi? Un jour, quand tu travailles, Dieu va te bénir. Moi, je ne coupe pas. C'est comme ça. Voilà ma cagnotte que j'ai mis. Il ne manque que cotiser. Parce que bientôt, là, je vais commencer les thérapies. Voilà. Vous êtes là sans vous parler. Ou bien vous voulez seulement apprendre que, oh, banga. D'ici quelques temps, là, je vais commencer à prendre les médicaments ici, là. Et ce sera la magie seulement. Donc peut-être je vais plus faire les lives. Donc voilà. Et c'est que vous, les Camerounais, vous aimez attendre qu'à la fin, comprendre que, oh, that man on die. Il est mort, oui. Parce que si en voulant se soigner, tu peux trouver la mort. Voilà. Tout ça à cause du combat toujours. À cause de la torture. La semi-lo. La semi, ma plainte est là. Hein. Un jour, je prends mon temps. C'est que je suis que. Même si les gens qui m'ont torturé là, d'abord c'est le gouvernement camerounais, via la CENIL, ils m'ont torturé. Ma plainte est là. Un jour, ceux qui ont jugé là seront aussi jugés. La vie c'est comme ça. Ceux qui ont humilié seront humiliés. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Qui continue à blaguer. Voilà. Ils arrêtent les enfants des gens, ils tapent, ils gâtent les pieds, tout et tout. Maintenant, quelqu'un est là en train de souffrir. Vous voyez la vie? Donc, ça les regarde. Donc, petit frère, il faut travailler. Il faut travailler. Nous sommes dans un pays où les gens mouillent tellement le maillot, les gens font des choses bizarres. Je connais des histoires au Cameroun que vous, si vous dites, vous allez au Rwanda. Tu vois, quelqu'un perd son enfant. Quelqu'un perd son enfant. Il cache. Quelqu'un a une personnalité. Il perd son enfant. Il cache. Un grand enfant, il cache. Vous connaissez quoi? Il cache. La mère, la femme à la maison, elle est frustrée. La sueur coule sur elle. Elle ne peut rien dire. Le gars tombe. Parce qu'il est pour le succès. Pour la gloire. Pour avoir les postes. On tue son enfant. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Arrêtez-moi ça. Sois heureux. Achalez où? Vous êtes encore jeune, travaillez dur. Le temps de chacun va arriver. Tu peux être même récompensé étant vieux. Oui, tu peux être récompensé étant vieux. Voilà, on peut avoir le succès tôt et le perdre très tôt. On peut avoir le succès tard et mourir avec. Et rester dans la mémoire des gens à vie. À Charles, lui, il chantait bien. On retient de lui que quoi? On retient de lui que même sa mère s'est plainte. On retient de lui que même sa mère s'est plainte. Hein? Qu'on avait fait, ouais, c'est quoi, ouais, ça avait fait, ouais, il faut arrêter ça. Quand tu viens sur mon, voilà, vous êtes les gens, ou bien c'est quoi, tu viens dans mon direct chaque temps. C'est mon nom que tu appelles, tu veux montrer que tu me connaissais trop, tu mets les tous mes noms. C'est pas comme ça qu'on vit. Ceux qui me connaissent, n'ont pas besoin de faire comme tu fais là. C'est enfantin. On vous dit de grandir. Hein? Mets les commentaires, fais un commentaire, peut-être ça peut changer mes idées, ça peut me donner plus d'inspiration. Tu es là, avec les trucs, monsieur Wamen Raoul, Mbanga, Jasper, Edgar Davis, tout ça, c'est quoi toujours? Et toi, tout ça, je ne te connais même pas. C'est bizarre, vous êtes tout dans la distraction. Hein? C'est sûr que tu aimes un gars de Mbanga, mais jamais tu ne participes à la cagnotte.
L'autre jour, on a envoyé les enfants à l'école. Tu ne participes pas. Vous êtes nombreux là, les enfants de Mbara de la diaspora. Et vous voulez avancer là. On ne doit pas seulement aux hommes. Hein. On doit aussi à la terre qui nous a vu naître. On doit aussi à la terre qui nous a vu naître. Faites attention. Moi, je m'adresse à vous là. À vous jouer au dangereux là. Petite bande de Tintin comme ça là. Vous avez joué au dangereux. Bon, vous entrez en bain. Chacun peut entrer en bain, mais il ne réussit pas. Que la vidéo qu'elle fait ce matin, ça sert de leçon à chacun. Voilà. Le premier à arriver n'est pas le premier à réussir. Tu peux arriver le premier et tu ne rentres jamais. Tu ne réussis jamais. Parce que ton corps, ton cœur est dans la compétition. On ne sait pas avec qui vous compétissez. Il ne suffit pas seulement de réussir. Il faut aussi faire les enfants qui vont réussir. Il faut avoir aussi cette chance-là. Voilà, il faut avoir cette chance-là. Parce que l'argent ne suffit pas seulement. Voilà. Donc achetez les produits, achetez les produits. Il y a les produits. Voilà les produits, j'étais fait les achats aujourd'hui là. C'est ici là que j'achète mes produits. Non. Voilà les produits. Pour ceux qui disent que Mara Diaspora, tu prends les produits là aussi, c'est ici en Indonésie que j'achète. Voilà, voilà les produits. Donc voilà les produits pour la calvitie. Chute des cheveux, les barbes. Voilà les produits. Donc si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc voilà, voilà le produit. Mon numéro WhatsApp que vous connaissez là. Voilà. Voilà le super. Voilà le super magic. Voilà le super magic. Le produit qui a pris le pouvoir. Le produit qui a pris le pouvoir. Voilà le produit. Qui a pris le pouvoir. Pour tous ceux qui souffrent des problèmes d'éjaculation précoce là. Ceux qui ont le super lolo là. Lolo. Tu passes ton temps à manger n'importe quoi. Trop de bière, trop d'alcool. La femme te fuit, tu dis que oh Dieu m'a maudit. Dieu ne t'a pas maudit. Et ton mode de vie qui n'est pas bien. Hein? Voilà le produit pour l'endurance. Le coach de la femme. Hein, ma soeur Désirée, dis-moi, prends ça pour ton gars, non? Ah, je parle de ça. Oui, tu as le gars. Hein, Vicky, achète ça. Ah ouais, allo, prends ça pour ton gars. Ouais, c'est Sandrine Chamba. Faut prendre ça pour ton gars. Ah, le produit pour l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme 15 minutes, 10 minutes, tu as la jus. C'est pas normal. Tu souilles les hommes. Voilà. Tu souilles les hommes. Un homme normal doit faire au moins 30 minutes sur la femme. 45 minutes. Une heure de femme. Une heure de temps. Parce qu'un homme doit confiner sur la femme. Un homme doit seulement donner les immeubles à la femme, donner les voitures aux femmes. Non. Non. Voilà pourquoi demain tu seras déçu. Tu mets la main sur la tête. Oh, elle m'a trompé. Elle t'a trompé comment? Tu refuses de faire ton travail. Elle va ailleurs. Quelqu'un d'autre t'aide. Tu dis qu'elle t'a trompé. Donc tu montes, tu jouis comme le canard. Donc tu es à l'aise. Mais elle ne jouit pas. Et tu dis qu'elle t'a trompé. Mais attends, tu n'es pas un sorcier par hasard. Tu t'entends même là. Tu t'entends même. On te dit d'acheter le super love, le super magic qui va t'aider à durer sur la femme. À un certain âge, mon frère, la femme que tu vois là, quand elle vieillit, l'orgasme n'est pas loin. L'orgasme n'est pas loin. C'est un plaisir que chacun doit comprendre ça sur lui. Et quiconque ne satisfait pas sa femme sexuellement, met sa vie en danger. Quand tu ne mets pas ta femme sexuellement à l'aise, ta vie est en danger. Elle parlait avec n'importe qui. Avec le temps, on a grandi, on comprend que, mon oncle ici là, oh, telle personne. Elle a fait l'enfant avec son gardien. Elle a fait l'enfant avec son chauffeur. Mais tout ça, tu crois que ça... Attends, toi, mets ta tête en valeur là. Elle a fait l'enfant. Son mari est milliardaire. Son mari est multimillionnaire. Son mari l'offre tout. Mais comment elle trompe son mari avec le chauffeur, avec le gardien? Comment? Mais c'est parce qu'elle ne juge pas. Donc c'est parce qu'elle t'aime. Elle fait à côté de toi pour ne pas aller loin. Pour ne pas te mettre mal à l'aise. Elle ne peut pas te mettre. Voilà le produit qui va t'aider. Achète ça, petit Tintin. On a le stock aux États-Unis, en France, Belgique, hein? Allemagne, Italie, Cameroun. Là, le produit Super Love, ça a pris le pouvoir. Alors, ça a eu des prix et des prix. Alors, ça a sauvé les gens. Attends, comment tu dis 41 minutes, c'est trop comment? Quand il prend une gâte, il y a mort sur elle. Là. Quand il prend une gâte, il y a mort sur elle. Moi, je peux taper une heure de temps. Surtout quand je prends mon Super Magic, c'est là. C'est une femme qui m'a dérangé, que j'ai trop fantasmé sur elle. Quand je regarde comme ça, elle dit que non, toi là, non, ça ne vient pas maintenant. Bah, ce qui me plaît avec ça, ça ne vient pas. Tu es à l'aise. Bah, ça fait un de, oh, tu es canard, tu es parti.
voilà pourquoi la femme soit ne revient plus. Et la femme que souvent tu prends là, elle part, elle ne revient plus, elle fiasque. Regarde-moi celui-là. Donc tout ce qu'il faisait, c'était pour ça. Elle continue à son ancien gars. Il y a des femmes qui viennent pour rester avec toi. Mais après, tu te rends compte, tu n'as pas confirmé. Elle fait quoi avec toi? Donc, attendez, mon ami, c'est pas que les femmes qui préfèrent l'argent. Hein. Non, il y a les femmes qui préfèrent la santé. Hein. Juste c'est être en santé. Oh. Juste c'est être en santé. Oh. Voilà. Femme qui ne juge pas n'est pas en santé. Hein. Surtout quand elle travaille. Imagine alors une femme qui aura plus de 40 ans. Quand elle a son argent elle-même, tout et tout. Mon ami, tu t'amuses, mon ami. C'est parti. Hein. Voilà le produit. Super love. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. J'ai mon numéro aussi, WhatsApp. Voilà, indonésien, plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Voilà, les produits perdent le poids. On prend 3 boîtes. On vend un package de 3 boîtes. On vend un package de 3 boîtes. Le produit pour perdre le poids. Bien sûr, c'est ça alors, Merenda, Besseme. C'est ça la vie. Être polyvalent à tous les niveaux. Ça fait partie du combat. Un soldat qui va en guerre doit bien faire l'amour avec sa femme. Hein? C'est ça la vie. Si tu ne connais pas, tant pis. Voilà quelqu'un qu'on a trompé, c'est sûr. Ou bien peut-être elle est mal baisée. C'est sûr qu'elle est mal baisée, la femme-là. Donc voilà. Tu vois un peu. Voilà le produit. Voilà le produit pour... Ok? Pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. 0 à 15 kilos. Voilà le produit. Donc voilà le produit. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Tu prends 3 boîtes. On appelle ça l'ulysiline. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun aussi. Donc voilà le produit. Ok? Donc tu m'appelles à mon numéro plus 62 812 812 plus 62 812 125 244 98. Et on voit le produit. Donc tu m'appelles comme ça là. Je t'envoie chez mon partenaire. Que tu sois au Cameroun, que tu sois en France, en Belgique, Italie. Bon, le produit pour la barbe, c'est là. Le produit pour la barbe, c'est là. On a ça aux États-Unis déjà. On a ça en France. On a ça aussi au Cameroun. Le produit pour la barbe. Et pour la calvitie aussi. Voilà. Ça a trois rôles que ça joue. Si tu as la calvitie, si tu as la barbe, si tu as les chutes de cheveux. Et c'est pour ceux qui ont la calvitie en voie. Hein. La calvitie en voie d'apparition. Là. Voilà. La calvitie en voie d'apparition. Ce n'est pas la calvitie qui est là, lisse là comme le goudron, non. Pas de la calvitie même. C'est-à-dire qu'en voie d'apparition, tu utilises ça. Très facile à utiliser. Hein? Voilà ça, voilà le flacon. Tu prends comme ça là. Hein? Prends comme ça. Tu mets sur l'espace. Voilà. Hein? Tu frottes matin et soir. Voilà. Les femmes qui veulent ça sur le ventre, tu es la bienvenue. En fait, partout là où les poils peuvent sortir, tu es la bienvenue. Et c'est ce que les femmes font avec les poils ici en bas. C'est pas la sorcellerie. Mon ami, un homme doit être polyvalent. Beaucoup de grands hommes sont morts ici dehors à cause du sexe. Donc, elle dit, quoi qu'on fasse dans la vie, il faut parler de ça. C'est ça qui nous tue en Afrique. On a de la peine à parler du sexe. Il faut parler du sexe, c'est très important. Voilà. Beaucoup des hommes sont morts ici dehors parce qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire les femmes. Et le diable est entré en elles. Tu sais ce qu'il dit quand un autre homme domine une femme sexuellement. Même pour dominer sa femme d'abord, ça doit aussi être sexuellement. Avant que les enfants ne viennent. Avant que les enfants ne prennent de l'âge. Parce que à un moment de la vie, la femme a peur des yeux de ses enfants. Non, je fais ça au nom de mes enfants. Mais il y a des femmes qui s'en foutent. C'est son plaisir qui compte. Voilà. Et il y a des femmes qui s'en foutent. C'est son plaisir qui compte. Donc, mon ami, une femme doit être satisfaite sexuellement.
Voilà. Quand vous voyez les femmes qui, là, l'homme rationne par mois, mais elle va au marché chaque jour. Mais c'est les femmes qui sont mal baisées. C'est les femmes mal baisées. Elles partent au marché chaque jour. Elles sont pleines là, bon amour, ça dit. Tu vois la même femme chaque jour. Tu sors pour aller au travail, tu la vois. Mais tu fais qu'au marché le panier. Ton mari te rationne par mois. Mais fais le marché une fois, non, ma soeur. Mais c'est parce qu'elle est mal à l'aise chez elle. Une femme qui ne travaille pas, qui est satisfaite sexuellement, mon ami, elle est rare. Elle est rare, elle sort rarement. Parce que sa maison lui offre tout. Tu peux tout donner à une femme, mais tu ne l'offres pas le côté là. Ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Ah oui. Qu'on vous dise la vérité. Même beaucoup de femmes qui crient sur les réseaux sociaux là, c'est des femmes qui n'ont pas d'hommes. Elles n'ignorent, c'est pas bien. Regardez, les vraies femmes sont calées. Ah oui, les filles comme les Vicky sont là, elles sont tranquilles. Les filles comme, voilà, Désirée, dis-moi, même comme un cache-bon, je ne connais pas, elles sont tranquilles. Mais tu vas voir les filles là qui sont toujours en train de suivre, qu'elles acceptent même le nom que. Les noms, tu vois que les gens acceptent qu'ils sont. Ils savent, oh, leur nom c'est abeilles, les abeilles. Mais c'est des femmes, tu sens qu'elles ne jugent pas. Voilà. Elles ne jugent pas ces femmes-là. C'est des femmes mal baisées. C'est pourquoi elles sont pleines sur les réseaux sociaux, elles crient. Elles ne sont pas satisfaites, elles manquent d'amour. Tu vois qu'une femme qu'on sur ces seins-là, vrai, on tisse ce truc-là bien. Jusqu'à elle. Mais attendez, mais elle fait quoi là? Elle a le temps à faire. Regarde bien toi-même là, quand tu as bien chicoté ton gars, elle se couche au lit. Est-ce qu'elle a le temps de regarder son téléphone? Fais ce que tu fais au salon là. Elle dort. Parce qu'elle est à l'aise. Tu atteins le point G. Le point Z. Le point tang. Tu atteins là-bas. Oui. Après les bonnes choses, on passe aussi à autre chose. C'est bien de parler aussi. C'est pour vous aider, vous les femmes, les hommes qui sont incapables là. Voilà. Moi-même, parfois, je suis incapable, mais ce n'est pas chaque temps. Ah, le jour que peut-être, quand j'ai le bout là, non, je m'en sors. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. Voilà, allez participer. Voilà, cagnotte. Voilà, je suis en Indonésie pour me traiter. Voilà, je commence. Voilà ce qu'on m'a donné aujourd'hui. Voilà ce qu'on m'a donné aujourd'hui. Voilà. Donc, j'attends. Voilà. Donc d'ici quelques jours, là, les bonnes choses vont commencer. Voilà. Ah, il faut prier pour moi. Il faut seulement prier pour moi. Voilà. Ok. Il faut prier pour moi. Hein. Prier pour moi. Que les choses se passent bien et que je retrouve la santé. Voilà. Ça me fait très mal. Par moments. Parfois des crises là, qui me font mal. Voilà. Prions le Seigneur que ça passe vite. Voilà. Donc les choses, les bonnes choses vont commencer d'ici quelques jours. Donc je suis dans un préparatif comme ça là. Passez une bonne nuit là-bas. Parce qu'il se fait des attaques ici. Que le Seigneur nous protège et vous protège aussi. Je suis ce que je suis grâce à vous. Voilà. Et on est ensemble. Je vous aime. Il y a aussi ma soeur là. Elle est où? Elle est cachée. Hein? Ma soeur, ma belle soeur Mbou. Hein? Tu ne parles pas? Voilà. La belle Sambo. Est-ce que son mari est en train de la toucher un peu là? Hein? Ok les gars, vous portez bien. Je vous aime.